Yo tout le monde, c'est Unit Production pour une vidéo sur un nouveau mode que j'ai décidé de faire sur ma chaîne pour diversifier un peu. C'est En route vers la gloire, c'est inspiré de Road to Glory des Anglais. Je vous laisse aller voir, dans le fond, c'est juste, on dépense aucun, le mode est vraiment simple, on dépense rien dans le jeu. On achète tout avec l'argent qu'on gagne dans les games pis tout. Donc c'est quand même assez le fun, ça me rappelle les bases, pas les bases, mais mes débuts en Ultimate Team. Plus je suis con. G L R. Là dans le fond, c'est juste la gloire parce que VERS, V-E-R-S, c'est comme un mot tabou dans le jeu, je comprends pas pourquoi. Mais c'est pas grave, quand je sais, parce que j'ai quand même créé des équipes avant pour voir, pour vérifier quelque chose. Oh my god. Holy shit. Quel début. John Scott. James freaking Scott. Et Rory Fabry. Oh shit. Checker tous les joueurs qu'on a. On a Vitaly, Osner, Butler. Donc, on a déjà un top 5. Ça, un top 5. Ouais, un top 5 vraiment. Pas vraiment fort, mais quand même assez diversifié. On a la machine John Scott. On a Vitaly qui a l'air d'être tout nu comme joueur. Mais on a Fabry qui a l'air à ce qui a été vite en crise. On a deux Deathpur. Je sais pas si je vais faire jouer ensemble, je vais quand même essayer d'équilibrer mes trios. On a Nutter, je connais pas, Graham qui a le petit pinch. Brunel, des Screaming Eagles, aucune de ces qui. Butchel, je sais pas, Bushnell, là, non. Sosanski, Fleury, Baron, Henley, Alok, Kennedy, Beauchemin. Oh, on a Lee. Je sais pas si c'est Rock Lee. C'est pas le meilleur joke que j'ai pu faire. Hein. Et les magnifiques chandails des Coyotes. Et l'aréna vide. Oh, ok, on a d'autres joueurs, ça. Gomez. Un nouveau Gomez. Double. Anderson. Ok. Ok. Donc, méchante belle team de gens partant. Et je pense que la première chose qu'on va devoir s'acheter, ça va être un goaler. Je vais mettre les trios, puis je reviens tout de suite après. Là, ça va aller plus vite. Donc, voilà les trios. Scott Fabry, pis ça, Vitaly, Kennedy, pis tout ça. J'ai vérifié, Lee est pas chinois, mais il est russe. Grosse surprise. On s'attendait pas à ça. Et à la défense, j'ai seulement rajouté lui, que je pense qu'on a pas vu. Juste parce qu'il a l'air ramassé quand même. Et si on vérifie quand même les stats, ils patinent quand même assez vite. Ok, peut-être pas John Scott, mais Fabry 87, c'est quand même bon. 76, 76 ici, 81, 77. Donc, ils ont toute l'air aller bien. Puis, j'ai décidé de mettre lui dans les nets. Parce que, peut-être que l'autre, il y a plus de world, mais on le check. On check quoi? La grandeur 1m88, puis lui, il est... je sais pas. 1m98. Puis il est plus mec que l'autre. Ouais, il y a une shape de crevette là. Donc, on va jouer notre premier game avec ça. On va voir si. Qu'est-ce qu'on va pouvoir. Ah, oh, non, non, avant même. C'est vrai, il y a des packs cadeaux. What? Ok, je peux même pas ouvrir des packs gratuits. Ils vont, non, non, tout ça, t'en mérite pas. Bon, c'est pas grave. Débutez votre saison. Et la première game de En route vers la gloire va débuter dès l'instant. Là, je vais commenter en live, pas comme l'Ultimate Team, le nouveau format. Je vais commenter en live direct dessus. Waouh, 78 d'attaque. Le studio John Scott. Ah, bon, on va essayer de bien faire quand même. Là, on va pas essayer de se faire clencher. On va essayer d'avoir quand même une fiche positive en partant. Bon, direct à la mise au jeu, on va essayer de gagner. La gagner, le char avec la PS4, c'est vrai, c'est vraiment pas pareil. Bon, on va essayer de s'habituer. On sait que Butler, il a pas les meilleurs mains. Bon. Oh my god! Oh my freaking god! John Scott qui rouvre la marque en partant! Oh shit! Après, il faudrait que j'arrange les paramètres. Bon, le gars, il fait straight. J'espère qu'il va pas quitter, là. Bruh, non, on a tellement bien commencé. Oh, j'allais les paramètres du jeu, je vais arranger ça
puis tout, je vous en reviens après. Bon, on est de retour là. Et j'ai tout changé, j'ai arrangé les paramètres pis tout, c'est censé être bon. Ouais, là j'ai mis la grosse caméra en haut comme les anciens NHL. Et on va essayer de pas marquer dès le début, ça tombe bien, on va faire un offside. Et là, faut vraiment. Faudrait que j'arrête de tousser aussi. Mais le gars il fait pas. Oh sacrément, qu'est-ce que tu fais? Jones freaking Scott with the puck. Oh shit, s'il y a un nasty shot. Oh my god, quelle chance ratée! Quelle chance ratée! Oh my god, quel jeu! Quel jeu de Rory Fabry qui va chercher la puck direct dans le coin. Et on mène déjà 1 à 0. J'ai pas regardé la reprise, bon, pas grave. Holy shit. Là, je pense que j'ai plus aimé les montages comme ça parce que. Là ça va, je vais pas couper là, mais parce que sinon. Les montages sur l'Xbox One, dans le fond, les nouveaux modes, le nouveau format de vidéo, okay, j'ai dormi de la maison. J'ai Smith en plus avec les Coyotes, on dirait vraiment que c'est Mike Smith. Avec le nouveau format, faut que je record la voix. Ben, faut que je fasse le montage pis tout. Pis après, faut que je record la voix, donc c'est deux fois plus de temps. C'est juste ça que j'allais dire. John Scott with the puck again. Ah, il est stické un plomb, man. Wow. Oh oui. Oh oui. Faut pas rater ça. Oh, il a bien joué, il a bien joué. Oh shit, on lui a donné le but. On lui a donné le but. Smith peut rien faire là-dessus. C'est à cause de moi, là, j'ai tout foiré. J'ai même pas sauvé les joueurs devant le net. Bon, première période avec notre nouvelle équipe. 11 à 6 les shots. John Scott doit en avoir au moins 3-4 facilement. Oh my god, quel save. Oh oui, oh oui, oh oui. Oh, what? Quel arrêt, quel arrêt. Oh wow! Quel sniper shot de Vitaly! Un de nos seuls bons joueurs qu'on a dans notre équipe. Bon. 14 à 11, là, il nous a rattrapé d'un tir. Mais le temps d'attaque, on domine encore un peu. Donc, faut en profiter. On a exactement le même nombre de temps pour un play. C'est assez bizarre. Holy shit! Qu'est-ce que c'est ça? Oh, il commence! Oh non! Ça pine! Holy shit! Oh oui! Oh oui! Voyons, oui! Oh, come on, Lee! Oh oui! Beau chemin! Quelle passe de Lee! Quel jeu de Rock Lee! Holy shit! On dégage ça! Yes! Première victoire de la gloire! Ça va que ça, c'est normal! Les glorieux, tiens! On s'appelle les glorieux victoires, ce qui nous donne, quoi, 900 cucs, là? 956$. Là, il nous a complètement dominé en troisième période. 22 à 19, les tirs. JT Murray, première étoile. Butler, aucune de ceux qui... Comme premier joueur que je vais acheter, ça va être, c'est quoi, c'est Timo? Ouais, Timo Pulkkinen. Je l'achète 50 pièces de plus, mais il y a 5 matchs de plus de contrat, donc... Faut vraiment aussi aller avec le contrat, gager tout ça. Puis on a besoin d'un allié droit, donc on l'a. Maintenant, on va essayer de trouver peut-être un autre joueur avec l'argent qui nous reste. Je vais voir qu'est-ce que ça peut donner. Et comme deuxième joueur, je vais m'acheter Jiří Sekáš, 400 pièces, 11 de contrat. C'est le moins cher sur le market, c'est lui qui a le plus de contrat. Donc j'ai peut-être acheté deux attaques, puis aucune défense, mais ma défense, je l'aime bien à date. Le prochain match que je vais jouer, ça va être. Je vais peut-être m'acheter deux défenses pour solidifier mon au moins un top. Un bon. Pas un très bon, mais un bon top 4 quand même. Puis après, ça va aller dans les nets. Donc, je modifie les trios, puis après, je vous en reviens. Bon, les trios maintenant, ils ressemblent à John Scott, Fabry et Sekáš. Après, Pulkkinen, Vitaly. Puis là, j'ai mis Kennedy. J'ai gardé Beauchemin parce qu'il a quand même bien joué, puis il a quand même donné le but de la victoire. J'ai descendu lui parce que pour vrai, il est pas autant sexy que ça. Puis on garde le chinois là parce que c'est le chinois. J'ai décidé de monter Osner, puis j'ai descendu Butler parce qu'Osner il a prouvé de meilleures choses que l'autre quand même. Puis il est plus grand. Ouais, il est plus grand. Puis j'ai décidé de monter Frédéric à l'autre parce que. Why not? C'est ça Frédéric son nom? Ouais. Bon,
Ouais, il va pour la deuxième game, là. Ben, la troisième, mais c'est plus la deuxième. Le gars s'appelle Jailbean. Bon, on va essayer de battre ça avec une nouvelle tête d'affiche qui est Irji se cache. Bon, on va essayer de gagner encore une fois. Puis garder notre fiche parfaite qui est de seulement 1-0. Oh non, oh non, oh non, ça commence mal. Oh, big save. Big save. Mais j'ai essayé l'autre goaler, mais c'est pas grave. Oh, big save again. On va essayer de jouer avec le plus avec nos meilleurs joueurs. Oh oui, Pulkkinen en bloc, oui. Oh non, Robidoux son. C'est Robidoux, calice. Ouais, Pulkkinen. Oh my god. Je pense que je vais mettre Pulkkinen à gauche pour faire des one-timers. Oh my god. Ouais, John F. Kennedy. Oh, big save, Robidoux. Oh, j'ai tiré dans la mythe. Oh yes. Oh, j'ai écrit sur mon téléphone à terre. Oh, Timo Pulkkinen. Bon, on prend une période, c'est 6 à 6 les tirs, mais il y a seulement 49 secondes en temps d'attaque. Donc, il lui rentre dans le compte, fait des shots. C'est moi qui devrais le savoir, mais j'ai aucune idée pour vrai. Donc, malheureusement, je ne peux pas vous dire s'il fait vraiment ça ou non. Oh non, John Scott qui a raté, genre, ça aurait été son plus beau but en carrière. Oh. Alors, il va quand même bien. J'ai bien fait de le monter. John Scott. Oh non, il vient de se faire voler. Il vient de se faire voler. Appelez la police. Il s'est fait voler un but. Oh yes. John F. Kennedy. En plus que ça a bugué. J'ai aucune idée comment j'ai fait ce jeu-là. J'ai raté le dégagement et tout. Oh non, que j'ai fait? Non, non. Smith. Ben oui. Carlos. Oh, Kennedy! John F. Kennedy! Ah, 1,3 secondes. Wow. Okay. Un jeu qui est venu de nulle part avec un shot complètement raté de Butler. Wow, John F. Kennedy est en feu. 9 à 19 les shots. À 9 minutes 07 contre 2 minutes 25. Wow, on le domine, on le domine. Oh oui, Vitaly. John F. Kennedy qui a son troisième point de la game ou son quatrième, je sais pas. Est-ce que le gars va quitter? Est-ce que le gars va quitter? 23 à 9 les shots. Allez voir en attendant F. Kennedy à quoi qu'il ressemble. Il est en feu. Kennedy, 3 points. Vitaly aussi, qui est quand même bon. Il y a 2 buts en 2 games. Ouais, Gomez. Oh, quel tir de Scott Gomez! Holy shit, son deuxième but, lui aussi, en autant de match. 5 à 1, le festin offensif est présent. Good job, Smith. Pas fait grand-chose, mais c'est pas... Ah, Kennedy. Pour le troisième but. Oh non! S'il y avait plus de mains, ça aurait pu marcher, mais il n'y en a pas. Ben, il y en a deux. Un Pulkkinen. Ouais, Pulkkinen. Ouais, tir de pénalité. Tir de pénalité pour Timo Pulkkinen. On va essayer de faire le code potable. Ah, oh, il m'a pas checké. Il a bien joué son Robidoux. Ben, c'est lui qui goalait, là. John freaking Scott! Qui marque un but, quelle pause! C'est quoi, c'est Fredbu qui a fait la pause? J'ai aucune idée pour super où la puck. Je vais pas faire chier le gars, je vais pas regarder la reprise là. Parce que je sais que ça doit être chiant à perdre 6 à 1 là. Surtout contre un gars qui c'est sa deuxième game à PS4 là. Oh my god. Oh ben oui, Joe Vitaly en deep play en plus. Wow! Avec une belle pause de hier, j'y se cache. 7 à 2. Waouh. On peut pas se battre parce que on peut continuer la vidéo encore plus. Là. Déjà, c'est long. Waouh. Une deuxième victoire en autant de matchs de notre port. Et là, on met 1100 pièces dans nos poches. Et pour ça, je vais pas acheter de joueurs. Je veux vous décider quel joueur j'achète. J'ai 1100 pièces.
Donc, décider quel joueur j'achète, soit un goaler ou des defs, n'importe quoi. Peut-être pas des attaques, là, plus des defs. Mais bon, c'est vous qui décidez là, pour voir. Puis je vais prendre les meilleures suggestions. 34 à 16, les shots, 12 minutes contre 4. Et Vitaly, 3 points. Kennedy, 2, 3 points aussi. Et Holzer, 2 points. Donc, c'est ça. C'est donc tout pour le premier épisode de En route vers la gloire. Je vais essayer de faire une vidéo au moins de ce mode-là par semaine. Je vais essayer de voir peut-être. Je vais sortir cette vidéo. Je vais essayer de faire peut-être une programmation parce que là, je sors des vidéos un peu n'importe quand. Mais c'est pas grave. Donc, j'espère qu'elle vous a plu. On peut-tu atteindre au moins 45 likes pour cette nouvelle série-là sur PS4 en plus. C'est ça. Et commentez aussi les joueurs que je devrais m'acheter avec 1248 pièces. Donc, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis ciao à tout le monde et à la prochaine.